livre bi ñu bind nak talif la poème du roman du théâtre du essai c'est un poème 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 nak moy en français c'est un art de marier les mots lu bokul nga jëm ko bolé le poème ne dira jamais à la femme tu es belle et élancée da ko nan rek gazelle aux attaches célestes les perles sont étoiles sur la nuit de rapport du ko ne mu tu as de belles boucles d'oreilles da ko nan juste et les abeilles d'or sur tes joues d'ombre bourdonnent comme des étoiles. Il lui dira jamais tu as de beaux cheveux, il lui dira à l'ombre de ta chevelure, c'est clair mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Donne-moi une poésie. Marier les mots. Seigneur Ablaye Toure Sank, Nena, c'est remarquable, Nena, je vois l'odeur des roses. Je sens, je vois là. Le français aurait attendu, je sens, mais quand il dit je vois, contenu de ce sémantique de voir, vous entrez en contact avec contenu sémantique de odeur, immédiatement des court-circuits. Lolo essentiellement moy poésie ci lolo le seigne lamine nek dafa ga waxtu bi dafa xat nak départ la couture départ métaphore du déplacement la métaphore du déplacement et bo xolé poème bi bu baax ci couverture bi bo xolé da ngay gis départ ci ginnaw également bo xolé da ngay gis départ djuroom ñaari poème ñoko formé les sept poèmes ñi ngi formé ben phrase bu ñi def ci 4e de couverture bi. C'est une représentation de la femme. Ñepp xam nañ une représentation. Bo lire Senghor, vous verrez qu'il y a une représentation de la femme. Mais quand il met un point final, la femme n'est pas là. Ce n'est que des mots. C'est justement ça. Lamine fait une représentation et elle dit en sous-titre à Agawan. Joxol ben indication. Nit ñi ñoo fi nek nan Astugawan ak li ak la. Ku wax Astugawan mënu ma la ko téré. Mais kenen mëna wax leneen ken mënu ko ko téré parce que c'est la poésie. Lool moy poésie, lool moy polysémie. La figure, l'image qu'il donne maintenant de la figure de la femme, elle est éminemment positive. Parce que c'est une femme qui est alliée au sourire, elle est alliée à la douceur, elle est alliée à la bonté, elle est alliée à la générosité. Tout le monde qui est âgé, 36 ans, c'est les indications qu'il donne. C'est juste pour vous dire que on est dans la poésie, c'est l'art du masque. Nous avons cité quelque part Descartes. Descartes avait comme devise l'art va tous pro deo, je m'avance masqué. Pourquoi je m'avance masqué? Parce que vous m'avez dorti l'air. Le travail de la prose, je m'en masqué, c'est de la poésie. Donc lui, il chiffre, nous déchiffrons. Il encode, nous décodons. Il a une extrême discrétion qui lui permet le mode d'engendrement du texte. Parmi les visées maintenant, qui niente les doubles, la tuerie les doubles, qui sont des choses essentielles. D'abord, comprendre. C'est un homme qui pose beaucoup de questions. D'où il faut que donne, Il a l'humilité de poser des questions, il a la modestie de poser des questions et c'est une dimension qui rassure. Il y a un dagnit, il faut que je donne, Deuxième élément, la mort, c'est une méditation sur la mort. Au centre du recueil, il y a la problématique de la mort. Mort lui m'a donné finalement le sens de l'ensemble des recueils. Dans la poésie du Moyen-Âge, du 16e, de la France, depuis le Moyen-Âge, on a l'unité des artes moriens, de l'art de mourir. Parce qu'avant la Révolution, ils étaient croyants. Ils enseignaient l'art de mourir. Et c'est un poème au centre duquel il y a cet art-là. Il cite d'ailleurs le verset de la Bible qui dit remarquablement, quand Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, le Seigneur a fait une double condamnation. À la femme, on lui a dit, tu accoucheras dans la douleur, une douleur de paresse. À l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre à partir de laquelle tu es créé. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc lui il le rappelle, c'est une méditation sur la mort, c'est également une méditation sur la vie, c'est important. Partir, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, mais ceux qui restent partiront. Donc il y a un aller-retour entre l'ici et l'ailleurs, et justement il médite essentiellement sur cette dimension-là. L'homme ne peut pas rivaliser avec Dieu. D'ailleurs, les gens ne le comprennent pas. Le premier des poètes, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est celui qui fabrique le langage du poète. Dieu, quand il dit lumière, vous entendez lumière, mais vous voyez immédiatement lumière. Qui d'entre nous ose dire quelque chose de voir immédiatement? Moi, je serais heureux de rester chez moi, de dire conférence, de laisser la conférence se faire toute seule. Mais on n'est pas Dieu, on est imparfait, lui est parfait. Donc, on ne peut pas rivaliser avec Dieu, on le répète. L'une des autres, l'une de la quatrième dimension, il est là pour dire la souffrance. Beaucoup de poètes, Ronsard, Dubellay, Lamartine, Hugo, Éloard, ont confié leur douleur au papier. Mais quand il s'agit de ça, nous retenons surtout Aragon dans la Diane française. Il dit, il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour qui ne soit souffrance,
Il n'y a pas d'amour qui ne soit douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il est là pour dire l'essentiel, pour dire finalement l'indicible. C'est ça, l'indicible. Il est là pour dire l'indicible. Seul Dieu peut dire le disciple, seul Dieu sait, nous ne savons pas. Plusieurs fois, 4 ou 5 fois, le Coran dit « Wallahu yakhlamu wa antum la ta'lamun ». Comme nous ne connaissons pas, nous nous mettons modestement au service de celui qui connaît et nous suivons exactement les chemins qu'il nous a indiqués. Donc, lui, il écrit pour ne pas être long. Il écrit pour mieux vivre. Sa parole poétique est là pour penser, P-A-N-S, pour penser les blessures du temps, pour, comme réponse poétique aux événements et l'histoire, comme un art de vivre en temps de catastrophe. Il remet tout à sa place quand la vie déplace tout, quand la vie fait tout passer. De bouche à oreille, les yeux dans les yeux, d'âme à âme, il nous parle le langage de la vie, le langage de l'amour, le langage de la tendresse fraternelle. La poésie est objet de vie et vivre finalement, comme il le dit, se confond avec dire. Il a une pudeur, il est modeste, mais il exprime parfois le pouvoir de l'écriture, le plaisir d'écrire. La mort décompose, il recompose par l'écrit. La mort restructure, il restructure par l'écrit. Donc finalement, Heidegger l'a bien dit, Martin Heidegger, Hölderlin l'a bien dit, c'est poétiquement que l'homme habite la terre, et lui, il est accroché au langage comme à une dernière possibilité d'exister. Seigneur lui-même disait, seuls vivent les morts dont on chante les noms. Il n'a que des mots, mais c'est des mots réévalués, rendu supérieur à la flamme d'une inspiration plus haute et de mots entourés de toutes les garanties possibles pour dire finalement l'entêtement, pour dire finalement l'exigence, pour dire finalement l'espoir, qui est le plus beau mot du langage humain après l'amour, pour dire l'espérance. Il faut finalement, c'est là par là que je terminerai, il faut finalement, quand Dieu si beau, toute beauté finisse. Merci. Thank you.